Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Jojo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de DuckTales. Oh yeah. Bah je sais pas trop quoi dire. C'est drôle, quand je commence une partie de DuckTales, je sais généralement pas quoi dire. À part en avant pour l'aventure. C'est parti mon petit Picsou. Ah oui, dans le dernier épisode, on avait attaqué, on va dire, le premier niveau du jeu. Premier... Ouais, on va dire plutôt le deuxième niveau du jeu, qui est le premier véritable niveau de ce jeu. Donc on va attaquer le deuxième niveau, la Transylvanie. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'un de mes niveaux, si ce n'est mon niveau préféré. C'est parti. Faites vos bagages les garçons, nous partons pour la Transylvanie et nous ne reviendrons pas sur la pièce du royaume perdu. Donc on va chercher une pièce perdue. Oui, tu arrives de façon très classe Picsou, c'est génial. Oh, je me souvenais plus de cette phase. Oh non, ça c'était une phase bonus et je me suis complètement raté. Youhou. Cette partie commence bien. Bon, nous y sommes, mes enfants. Drag Van Cosqui. C'est beau, dis donc. Oh, mais non, faut pas avoir respect. Si. Bien sûr que non, le loup. C'est un bon depuis des siècles. Manuel et Castor Junior. Drag Van Quacky. Je suis connu sur le nom du con Drag Quack. Ah oui, rencontre de Zaza d'ailleurs. Vraiment là-dedans. Ah, tu cules Zaza. Drag Quack n'existe pas. C'est vrai. Il a raison. T'as un peu peur, le loup, je crois. Vampires, banshees and mischievous spirits are just a lot of superstitious hocus pocus. Oui. Il y a des canards qui parlent. Bim. En quoi que ça peut être logique dans un monde comme ça. Mais reste à côté de moi au cas où. Bon, rencontre de Zaza qu'on n'a pas vu dans la dernière vidéo. Et on a écrit Fifi et Loulou. Je trouve ça beau, n'empêche les décors. Les décors ce niveau sont vraiment bien foutus, je trouve. Bon, vous connaissez le règlement. Enfin, que j'ai instauré dans le dernier épisode, mais c'est pas grave. Une minute de silence pour la musique. Ah, pas encore, non. Bon, les garçons, vous allez veiller sur Zaza. Ok. Pourquoi tu les as emmenés, Picsou? Pourquoi les avoir emmenés, écoute? Jusqu'à 10. Oui. Non, pas du tout, le loup. Eh bah bim. Zaza. Eh bah bim. Hello, hello, Réfi, Lily. Oh, je brûle. Faut y se passer. Je suis là, après tout. Chut. Alors là c'est pour le let's play. Je fais comme j'ai dit une minute de silence parce que j'adore la musique de ce jeu. Mais je vous avoue que dès que j'ai entendu la musique, cette musique pour la première fois, alors j'étais comme ça. Hein. J'ai sauté, j'ai lâché les boutons, j'ai rien touché. J'ai rien touché. Cette musique je l'adore, elle est tellement dynamique, ça me donne envie de jouer. Bon bref, toi tu restes là, tu bouges pas.
Non, je vais quand même pas t'écraser. Bon, on va aller chercher les Fifi et Loulou qui sont intelligents. Merci Zaza. Bref, c'est parti. Alors, on doit en même temps chercher les garçons et trouver une pièce, c'est ça, ouais. Ah oui, donc ces trucs. Ces trucs sont géniaux parce que... Hop, pour faire ceci. Si il veut bien venir. Alors par contre, est-ce qu'il va en avoir un maintenant? Non. Bon, c'est très bien, ce... Je vais pouvoir... Zut. Non mais arrête de... C'est ce que j'aime pas, c'est chez les ennemis par contre, hein. Voilà. Donc, on peut faire ceci. Ce qui permet d'avoir des têtes qui... Enfin, on peut, voilà. J'ai même pas besoin de parler. Le jeu fait... le fait lui-même. Alors... bon. Ah par contre, non, je vais pas faire ça. Ouais, parce qu'il les casse lui-même déjà, et ça me plaît pas. Et j'ai fait une boulette. Bon, c'est pas grave. Non! Je fais n'importe quoi. Bon. Est-ce que c'est pas plutôt là qu'il y a un coffre? Bon, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de coffre maintenant. Alors par contre, je sais plus du tout où faut que j'aille. Ce que c'est pour vous expliquer, c'est un miroir qui permet de nous... d'aller d'un... un autre bout du niveau. Mais bon, ça c'est une sortie de miroir. Enfin, vous allez comprendre dès qu'on va croiser un miroir pour se téléporter. Bref. Oui, YOLO. Sauf que ça me sert à rien ici parce que j'ai besoin de ces canards. Quoique j'en ai peut-être pas besoin maintenant. J'ai pas besoin de lui maintenant. Est-ce que je peux aller... Oui, je peux aller en haut. C'est trop chouette. Mais alors ça me sert à quoi d'aller en haut? Ça m'a servi à rien. Chouette. Bon, toi, tu me sers à rien, donc je vais pas t'utiliser. Toi par contre, je suis sûr que tu sers à quelque chose. Mais bordel! Oui, excusez-moi. Je suis sûr à 100% que... Pardon. Que ces canards servent à quelque chose. Enfin, ces squelettes canards. Alors par contre, faites voir la carte. Les points blancs, ça... Ah non, 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 j'allais dire c'est arrivé, j'ai fait le long, mais non. Et ben vous savez quoi, on va plutôt commencer par monter. Aïe. Et oui, je vous rappelle aussi qu'on a des cœurs à chercher, hein. Enfin non, un réceptacle que de cœurs. Alors, je suis sûr que... Je ne suis sûr qu'il n'y a rien. Pardon. Alors, là, il y a des trucs. Toi, je t'aime pas. Voilà, merci. Alors, eux, je peux faire ça. Ça peut donner des diamants comme ceci. Et ces monstres, enfin les fantômes, on ne peut pas les tuer. Ce qui peut être très chiant. Vous le devinez. Mais je préfère autant tous les taper. Je suis désolé, je suis malade, hein. J'ai pas besoin de toi. En fait, ça m'a servi à rien de... Oh putain. Tu fais peur, toi, derrière... Napo Quack, j'ai appelé Napo Quack. Napo les Quack, Napo les Quack. Ça aurait été génial comme invention de... Comme invention de Picsou. Alors... Ah, je savais que j'allais avoir du mal, toi. Alors... Hop. Par contre, j'étais à droite, mais il y a peut-être des trucs à gauche. Notamment un secret ici. Et ben, on a trouvé notre réceptacle de cœur. C'est déjà ça. Par contre, on t'a trouvé trois, bien sûr. On t'a trouvé toi, et c'est pas cool.
Alors je viens de me faire peur avec mon propre pouce de pied. C'est tellement génial. Moi, peureux, non, ça se saurait. Non, je déconne. Enfin bref. Oui, comme je disais, les ennemis repopent. Hein. Et je déconnais pas quand disait qu'il est repopé. Hein. Alors... on va d'abord aller à gauche. Et je dois refaire tout le tour, ce qui est chouette. Hop. Ça sert à rien que je te tue, en fait. je m'évertue à le tuer, mais ça sert à rien. Alors, on peut faire un autre truc aussi, si il veut bien le faire. Vas-y. Voilà. Et ça, c'est drôle à faire. D'ailleurs, l'animation quand on tue ces monstres est tellement drôle. Wouhou. Hop. Donc, on va... J'y dis à gauche, pas en bas. Parce que ça me sert à rien d'aller en bas pour l'instant. Alors... Ah oui. Ririch. Bonjour Ririch. À l'aide. Bonjour. Bonjour toi. Oula. Et bim. Un fantôme. Qui porte des lunettes qu'on connaît, mais c'est pas grave. Hashtag spoil. Bonjour les rapetous. La gonflette rapetou. Je me sauve d'ici. Au revoir. Mais oui. Mais sans doute me voler mon trésor. Il faut plus qu'un drap blanc et de la poussière pour vous faire peur à Balthazar Pexo. Oui, je suis d'accord. Encore un papier, hein, c'est... Il court après les papiers, les rapetous, n'empêche. Hein. Une rune antique. C'est une partie, en tout cas. Right now, I want you to head to the front door and wait for me. I'll be back once I've found the treasure. Off you go. Oui. Voilà, on aura retrouvé tout le monde et on aura aussi le trésor. Alors là, je sais qu'il y a un truc. Mais c'est pas vrai, mais je vois des trésors partout. J'ai trop joué à Picsou, les gens. Je vois des coffres cachés partout. Bref, on a récupéré un bout de... Merci. Un bout de rune antique, ainsi que Ririch. Et donc maintenant, on va aller chercher les autres, ainsi que les autres bouts de rune antique. Vous avez deviné, à chaque... Enfin, à Riri, Fifi et Loulou, à chaque enfant sauvé, un morceau de papier. Oui, j'appelle ça un bout de papier, j'appelle pas ça une rune antique, mais c'est pas grave. Oui, non, je peux monter par là-bas. Je me demandais comment je fais pour monter, mais bon, je voyais mal sur la carte. Alors... Ah, il s'est pas arrêté sur un bout de plateforme, maintenant. Enfin, sur un rebord de plateforme. C'est bien nouveau, ça. Bim. Allez, on monte. Ah, enfin. Alors, par contre... Ah non, il y a le caillou. Comment deviner qu'il y a un secret ici? Ah oui, bah non. En fait, j'aurais pas dû aller là maintenant. Il y a une partie de la formule qui correspond à l'inscription sur le miroir. Et bim. Bon, voilà, vous avez deviné. Ça, c'est la fin du niveau. Quand on aura toutes les ruines antiques, enfin les bouts de papier, quoi, en gros. Quand on aura fini la partie de Slender, désolé, c'était gratuit. Faudra revenir ici. Oh, toi tu m'énerves, donc je vais faire ça. Bon, par contre, faut pas aller là-dedans parce que ça vous venait à un autre bout du niveau et j'ai pas envie d'y aller maintenant. Hop, toi je fais ça. Oh, c'était juste pour récupérer de la vie. C'est triste. Par contre, toi, je veux bien. Ah, je pensais que ça allait l'emmener en haut. Ok. Voilà. Toi tu meurs. Je récupère les trucs là. Je vais en haut parce que je suis sûr qu'il y a des trucs. Même les plus petits
diamants servaient quelque chose. Hop. Ah, trop tard. C'est pas grave. J'ai récupéré ma vie. Ah oui, eux. Alors, eux, j'ai... Je me rappelle plus comment ça marche. Est-ce que... Voilà. Ok, bon, je suis obligé de les taper comme ça. Voilà. Alors, il n'y a pas un truc en haut avec eux, avec ça? Ou alors c'était un moyen de descendre. C'est un moyen de descendre. Aïe. Ça fait mal ça. Hop hop hop. Boum. Bim. Voilà. On récupère des trésors, des cadeaux, des trucs chouettes. Voilà. On se fait beaucoup d'argent, hein, dis donc. Je peux pas aller en dessous. Picsou, il dit non, quoi. Picsou, c'est non. Je n'irai pas en dessous. C'est moi, le chef. Alors... Arrête, Picsou. Faut que je monte. Parce que... Là, je peux pas aller par là, j'ai l'impression. Alors, comment je suis pour monter, déjà? Il y a un passage. Mais non, ça c'est pour... Mais non, ça c'est un moyen de descendre. Et ben, il va falloir prendre le miroir. Premier miroir du niveau. C'est parti. Alors, il nous met où, celui-là? Eh ben, à l'endroit que je voulais pas absolument qu'il mène, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a pas un autre... Il y a un autre moyen de monter au début du niveau. Tristesse absolue. Bon. C'est absolument pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va prendre ce miroir. Parce que finalement, je sais plus du tout où il nous mène, mais c'est pas grave. Et il nous mène là. Ok. C'est parti. Alors, ici. Voilà. Faut se baisser ici, sinon voilà. Ici. Je pense que vous avez compris. Non, faut... Non. je savais plus s'il fallait aller en haut ou en bas. Bon. Et une fois qu'on a récupéré les diamants, on peut pas les récupérer une seconde fois. Hein. Sinon, ce serait abusé. Et pour débloquer les trucs dans la galerie, tout le monde spammerait ce niveau. Non. Bon bah au moins je pourrais récupérer ceux d'en haut et ceux d'en bas. Maintenant vous devinez pourquoi j'utilise les trucs infinis. Hein. Pas pour récupérer tous les diamants, mais parce que je perds beaucoup de vie même dans des trucs aussi débiles que ça. Hop. Voilà. Wouhou. Bon, c'est un bon niveau pour gagner beaucoup d'argent, hein. Et voilà. Alors. Ah, c'est un autre bout du niveau. Ok. Et ben, c'est génial. On est arrivé à l'endroit où je voulais absolument aller, donc c'est cool. Bon. Et ben, bonjour, Fifi. On a trouvé Fifi. Et un autre fantôme rappe-tout qui, lui, est accompagné d'un fantôme. Il cachait bien son jeu, ce rappe-tout. Alors. Hop. Ah, je sais qui c'est. Voilà. Le gros, le bouche-tout rappe-tout, non. Non, c'est le burger rappe-tout. J'avais dire... voilà. Non, sérieux. J'ai envie de dire merci Captain Obvious, mais bon voilà. Bah plutôt à tes petits enfants, Picsou, mais c'est brave.
Un autre morceau de la formule magique. Ah bon. Elle est presque complète. Qu'un beau. If only I knew where to start looking. Il dit qu'il y avait un faux mur dans cette maison. Un passage secret. Non. Non. Oui, bah attends à l'entrée avec Zaza et Riri. J'ai envie de dire... Pardon. J'ai envie de dire... Non, serre Mais c'est pas grave. Bref, continuons. Alors... Bon là, je vais éviter quand même de mourir, ce soir. Voilà. Non. Je pensais qu'il allait l'ouvrir. Merci Picsou. Je pensais qu'il allait l'ouvrir, mais c'est pas grave. Bon. Pous. This is Parta. Non, j'ai sauté. Pourquoi j'ai sauté? Bon, moi j'ai eu beaucoup d'argent. Alors, n'allez pas surtout là-dedans, vu que sinon vous allez vous suicider. Enfin, il me semble. Ah non. Mais je crois de toute façon que ça sert à rien d'aller là. Voilà. Bon, et ben on va descendre. Mamie Baba, voilà, j'ai cherché le nom. Alors, il y a un truc ici. Mais c'est surtout lui que je voulais éviter, mais c'est brave. Bonjour Mamie Baba. Mais attends-tu. Je donne de René. On se demande pourquoi elle est là, quoi, sérieusement. Pourquoi elle est là et comment elle a réussi à aller là avec moi. Mais on le sait, Picsou. On le sait, Picsou, on le sait. Bon, là voilà, hein. Elle est passée un passage secret. On devine pas du tout, mais c'est pas grave. Alors par contre, j'ai deux passages, un en bas et un là. Ah, voilà, ils vont enfin me servir, eux. Alors par contre... Eh ben, c'est parfait, je vise pile dessus, mais bon. Hop. Et ben l'abîme à côté. Aïe. Allez, viens là. Bim. Et ben là. Bon bah j'ai visé l'autre, c'est déjà pas mal. Ah oui, peut-être que j'utilise lui. Hop. Oh bon, bim. Alors ça. Ça c'était beau. Hop. Alors par contre, je suis pas sûr d'être... Bim. Mais je suis trop doué. Alors... Là, je sais qu'il y a quelque chose. Sérieux? Ils ont rien caché là? Ça me surprend. Donc... Eh ben c'est cool. Je vais aller débloquer le passage. Parce que j'aime bien débloquer la carte à 100%. Même si ça sert à rien, c'est pas grave. Mais techniquement, il ne me reste plus qu'à aller chercher le bout de papier... le bout de papier et loulou, et j'ai fini le niveau, mais... Enfin, non. Et je pourrais finir le niveau, pardon. Alors ça, ça veut dire... qu'il y a des trésors cachés. Voilà. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Non, non, non. Je veux tout, les trésors. On commence à devenir riche, n'empêche. Hein. Allez. On peut même descendre comme ça, hein, maintenant. Par contre, je sais plus où mène ce truc. Pourquoi il est là? Ah, si, 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 si. Si, 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 je sais pourquoi, les enfants. Alors, par contre... Ouais, faut que j'aille beaucoup plus loin. Je sais pas comment j'ai fait pour esquiver ce canard.
Là, c'est juste un coup de bol. Alors, voilà. Zut. On est riche. Voilà. Je vérifie quand même parce que... Voilà. Il y a des trésors partout chez Picsou. Hein, qui apparaissent de nulle part, mais c'est pas grave. Alors... Alors là, je sais qu'il y a beaucoup de fantômes. Et c'est là qu'il va y avoir que des diamants. J'ai vraiment pas de bol hein, dans le let's play. Ah, voilà. En v'là un, déjà. là, je crois qu'il y en a un autre. C'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave. Le jeu a décidé de me troller, hein. Aïe. Un gâteau, je veux bien, là. Je ne peux que descendre. Là. Il y a un trésor. Le jeu veut me troller, hein. Là, c'est clair. Alors, par contre... Bon, bah, moi, je dis je fonce, hein. Alors... Alors, là, on a vu... Il y a un trésor. Voilà. Et bah, c'était une part de gâteau. Allez, va, Picsou. Merci. Voilà. On a récupéré encore de la vie. Et de l'argent. On est le capitaine Haddock. Le capitaine... comment... Pixdoc. J'étais obligé de perdre de la vie, là. Alors... bonjour, Loulou. Fais-moi descendre. Bonjour, le rapetou. Qui a l'air de bien éclairer la zone, et je me suis fait avoir comme un blaireau. Mais c'est pas grave. Oh là, mais je perds de la vie, là. Il y a des fantômes de partout. De vrais fantômes. Oui, j'ai réussi en perdant de la vie. Je suis trop fort. Oui. Un grand-père avec sa canne. Merci, Loulou. Voilà. Bah, en attendant, c'est toi qui as des gros ennuis, hein, mais bon. On ne le voit pas du tout, Picsou. C'est le dernier morceau. Quoi c'est ça hier? C'est ce que je vais découvrir. Interdit de bouger. Bon. On va enfin pouvoir utiliser... Alors là... Ça s'est peut-être pas vu. Mais voilà. Passage secret! De gros diamants. Par contre, là, c'est problématique. J'ai rien dit. Bon, on va pouvoir enfin utiliser ce miroir. Voilà, qui nous ramène ici. Et on va pouvoir aller finir le niveau. Alors, par contre, il faut que je passe par là. Allez, bim. On va pouvoir utiliser la formule magique sur le miroir. Et enfin découvrir ce que signifie cette formule magique justement. Jusqu'où ça va nous emmener. Et c'est absolument pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc au final j'aurais pas dû aller là, ce qui fait que les gâteaux, je les ai tous pris pour rien. Hop. C'est absolument pas là, mais c'est pas grave. Je suis trop doué, je suis trop doué. C'est juste en haut en fait.
Hop, tu meurs. Et formule magique. J'ai résolu l'énigme. Bonjour. D'ailleurs, elle est où, Zaza? Ah, bonjour. Que j'ai un miroir, hein. N'empêche, pourquoi tu les as emmenés, Picsou? Bon, on va enfin voir qui c'est qui... qui c'est qui a organisé tout ça. Formule magique! Eh, bonjour! J'ai oublié son nom. Tu aurais un rire chelou. Mystique, voilà. Non. Enfin, j'ai pas tellement tourné en rond que ça, mais bon, c'est pas grave. Merci, Mystique. Si. Non, sérieux. Mais c'est une sorcière sournoise, Picsou. Ah, bonjour. Ah là là là. Donc elle nous a volé la pièce, j'ai reçu un message et c'est cool. C'est pas très gentil. Non, sérieux, ça... Non, tu as raison, Zaza. Oui, allons enfin l'affronter. Bon, j'ai reçu un message, c'est trop cool. Vous avez fait vous avez même pu entendre ma magnifique sonnerie de message. Les vrais connaissent, n'est-ce pas? Non, je déconne. Zelda Wind Waker, voilà, c'est cool. Bref. Merci Picsou. On va aller affronter Miss... D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que Picsou me dit toujours restez là et ils viennent toujours. Enfin, je parle d'eux, hein. Voilà. Bon, trêve de bavardage, allons-y. J'ai pas vraiment de souvenir de ce niveau, mais c'est pas grave. Alors, peu de musique, des fantômes, un diamant, je me fais toucher, voilà. Alors eux c'est abusé ces fantômes, je ne les aime pas parce que tu peux pas leur faire mal. Il y a qu'eux qui peuvent te faire mal et c'est nul. C'est pas ce que je veux que tu fasses Picsou. Merci. Je vais perdre une vie inutilement. Et si ça continue, je vais perdre la vie moi aussi. Pardon. Alors. J'aimerais bien regagner de la vie si c'est possible. Bim. Je sais pas pourquoi je fais le saut pogo alors que je pourrais tout simplement faire un saut normal. Ah, ah oui, de la vie. J'ai récupéré qu'un demi cœur que j'ai perdu, mais c'est pas grave. Bref, voici le boss. Voici Mystique. Ah, Mystique. Ah. Parce que c'est drôle. En même temps, tu nous as... T'as mis un passage qui nous permet de mener à toi, Mystique. J'ai pu récupérer de la vie, ça c'est cool. Aïe, 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 aïe. Non. Ouh, j'ai du bol. Bim. Voilà. Et bim. Alors. Oui. Mais j'ai perdu une vie en même temps. Bim. Non. Je voulais regagner de la vie. Et j'en ai regagné. Ah. Alors. Bim. 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 Et en plus tu t'es touché, ça c'est cool. Mystique elle est géniale. Elle nous laisse un passage pour nous mener à elle. Et en plus
Elle se laisse attaquer. Moi je dis ennemi fair play, complètement. N'est-ce pas? Alors, hop, hop. Aïe! Je perds de la vie pour en regagner, ça c'est trop cool. Alors par contre, ouais, là j'étais un petit peu bloqué. Bim. Bim. Laisse-toi attaquer, c'est cool. Et redonne-nous de la vie en plus. Elle est trop généreuse, Mystique. Aïe. Et bim. Tu es battu, tu es vaincu, Mystique. Un porti-miroir et des éclats magiques, bas de gamme. C'est ça le bas de gamme, écoute, hein. T'es pas comme Pixou, Mystique, hein, t'as... Oui, le sous-fichiste de Picsou, c'est le premier sous de Picsou, hein, pour ceux qui veulent savoir. Bon, on a trouvé. On a enfin trouvé la pièce. La pièce ancienne, niveau terminé. Avec Picsou qui ferme les yeux, ça c'est trop cool. Bref, on a fini un niveau. Et c'est ça qui est... c'est ça qui est cool. Bref, comme dans la dernière partie, on récupère, enfin on a de l'argent, on a beaucoup d'argent, je sais que vous, ça vous énerve, hein. Je le sais au plus profond de moi. Bref, on a de l'argent, en plus on a la pièce du royaume perdu, bref, ça nous fait de l'argent, et ça c'est génial. Difficile à dire. Bah c'est des méchants quoi. C'est une méchante. Oui, je confirme. Eh ben, on verra ça dans le prochain épisode, mon cher Picsou. Parce que c'est la fin de la partie. Et d'ailleurs, je pense que cette partie a duré un long moment, dis donc. Enfin, j'ai l'impression que l'épisode était plus long que la dernière fois. Bref, le rituel de fin de vidéo Picsou, je l'impose, on fait un petit plongeon, youhou, dans les pièces. Et maintenant nous avons le sceptre, l'ancien sceptre du roi, et nous avons la pièce antique du royaume perdu. Et ça c'est cool. En plus il est génial le Van Damme Quake, ou ne sais quoi, ou le Dracon Quake. Bref. Je vais aller voir de mon côté si je peux pas acheter... Enfin, si je peux acheter des trucs dans la galerie. Hop. Voilà. Et là, je vous mets une magnifique image devant votre écran. Pour qu'il n'y ait pas de spoil ou ce genre de trucs. Et ben, mine de rien, je crois qu'on va débloquer déjà le deuxième... Le deuxième menu. Hop. Ah, quoique peut-être pas finalement. Ah, si. Eh ben écoutez, j'ai tous les personnages de mon côté et j'ai maintenant les croquis. Les croquis des niveaux. Je vais les débloquer. Et je peux plus rien débloquer. Alors je peux vous montrer quelques trucs en plus. Est-ce que je l'ai montré Oui, Mamie Baba et machin. Je peux vous montrer... non, pas ça. Pas ça du tout, même. Je peux vous montrer ça, les niveaux, les monstres du niveau... de la 30e année, voilà. le canard sans plume est très chelou. Il fait moins chelou en 8-bit, hein, mais bon. Je préfère le design des monstres récents. Sauf celui du canard sans plume. Enfin bref. Ensuite, est-ce que je peux montrer autre chose? Est-ce que je peux vous montrer ça sans spoiler? Oui, complètement. Je pensais que ça allait montrer autre chose. Et ben voici Mystique. ce nom est génial. Ouais, je préfère son design récent.
En même temps, elle a pas grand chose, hein. Elle a pas vraiment de détails dans son design 8 bits. Hein. Mais il est quand même bien fait. On chipote. Elle fait plus dark en fait dans la version récente. Bref, je pourrais vous montrer aussi les croquis, je pense. Oui, donc ça c'est celui de l'Amazon. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Et ça c'est toujours de l'Amazon. Bref. Et ben c'est tout pour aujourd'hui, moi je dis. Voilà. Et ben voilà les gens. Ceci conclut cette vidéo. Je n'ai plus de voix, mais c'est pas grave. D'ailleurs, la pièce antique qu'a parlé Mystique, c'est ce truc qui est là, hein, pour ceux qui ne savent pas. Bref, et ben dans la prochaine... Oui, ça fait combien de fois que je dis bref, je sais pas. Dans la prochaine vidéo, nous irons dans les mines africaines. J'ai plus vraiment de souvenirs de ce niveau. De ce que je me souviens, le niveau était sympa. Mais c'est pas un niveau que j'ai retenu, donc c'est que ça doit pas être forcément un niveau qui m'a forcé... Enfin si, ça m'a plu, merci mon PC. Si, il m'a plu, mais à mon avis, sans plus. Hein. Mais bon, voilà. On verra ça dans le prochain épisode. Et ben en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite, comme d'habitude, à liker ou à vous abonner si vous avez envie de suivre ces aventures qui est épique avec toujours ce pixel magnifique, hein, ce pixel magnifique, ce jeu magnifique, ce jeu qui est beau, remasterisé mais qui est beau. Je vous invite à aller sur le Twitter où on poste toujours des actualités quand on en a envie parce que ça nous fait plaisir. Je vous invite aussi bien sûr à aller voir les vidéos de Cuba. Et bah je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les gens, et que la puissance de la Transylvanie soit en vous. Allez, salut à tous et à la prochaine !